en bas de votre écran, opposé à Antoine Guibaudot, un jeune joueur qui a déjà marqué des points sur le circuit junior. Vous allez le voir, un jeu agressif, n'hésite pas à monter au filet, le Français qui construit le jeu à partir de son coup droit. Compétiteur dans l'âme, joueur de la Ligue Île-de-France, Antoine Guibaudot, dernier. Du comité des Yvelines, plus précisément. Comité des Yvelines, bah, c'est carrément chez moi. Donc, voilà. Donc Olivier, il faut vous mettre en contact, peut-être qu'il aura besoin de vos connaissances. Et il est entraîné par Julien Demoy, qui est un ancien bon joueur, qui avait été sur le circuit ATP, qui n'est pas passé dans le top, mais qui était un très très bon joueur, très beau joueur. Et son papa était joueur de tennis, puis son papa, à un moment donné, était dans des structures fédérales. Donc c'est vraiment un très bel encadrement. Et c'est un bon résultat qu'il est en train de faire, puisque la semaine dernière, il était déjà en finale à Bolton. Donc voilà. Vraiment, il fait partie, je dirais, du top 10 européen de cette catégorie. Allez, Antoine Guibaudot, donc le dernier représentant tricolore dans ce tableau du simple garçon, et qu'on retrouvera aussi, Antoine, avec Clément Kubiak en demi-finale du double, Dominique. Tout à fait. Antoine est très grand, hein, c'est vraiment un grand gabarit. Et il s'octroie déjà 3 balles de break hein, pour débuter ce match. C'est un très bon début de match. Oh, les belles cette zone. Oh, superbe. Quelle main. Belle contre-attaque parce qu'il était un peu en difficulté. Il a coupé la trajectoire pour défendre. Premier jeu. Belle contre-attaque en coup droit croisé. Et quelle entame de match. Hein. Oui. On ne pouvait pas rêver mieux. Hein. Face à cet Anglais qui n'a d'anglais que la nationalité parce que le nom, Fabio Nestola, je n'aurais jamais dit qu'il c'était un Anglais. C'est rare d'avoir un Anglais qui s'appelle Fabio. C'est vrai. Fabio Nestola. C'est pour ça, c'est ce que je disais en ouverture. Il a une consonance italienne. Ouais. Il doit avoir des origines italiennes. Alors, ça devient très difficile par rapport au nom de donner la nationalité. Hein. Ouais. Parce que quand on voit sur le court numéro 1, donc, hein, le joueur qui s'appelle... que je retrouve son prénom. Jones, et je ne connais pas son prénom. C'est Lennon Roark Jones. Voilà, et qui est japonais. Qui est japonais, ouais. Donc, c'est quand même relativement rare, ça aussi. Bah, c'est comme la jeune Danielle Collins, qui est quand même d'origine japonaise. Oui. Qui est la nationalité américaine. Et qui est perçue d'ailleurs au Japon comme une véritable star. Hein. Ils la considèrent d'ailleurs japonaise, hein, les Japonais. Hein. Je ne sais plus si c'est son papa ou sa maman qui est... Je vais vous dire ça. Je pense que c'est sa maman. Vu le nom Collins, je pense qu'elle porte le nom de son papa. Et bon. J'aurais tendance à dire que c'est sa maman. Moi, vous savez, aujourd'hui, il n'y a plus de certitude. Bon, hein. D'accord. Mais je vais vous dire. Je suis trop vieux, alors. Mais, c'est pas ce que je voulais dire. Mais bon, si vous l'avez pris comme ça. Je me suis trop vieux pour comprendre toutes ces subtilités. Parce alors, je croyais que c'était le nom du papa. Bon. Non, mais c'est... Donc cet Anglais qui est gaucher, qui a l'air d'avoir une belle frappe, qui a aussi un beau gabarit, hein, c'est deux beaux gabarits sur ce court central, de belles frappes, et pour le moment c'est un début de match qui est assez séduisant, qui peut donner un très beau match. Il
Oh, quelle est belle cette frappe en coup droit encore une fois. Joué. Une frappe à plat, là, c'est, c'est magnifique. Très bien, et je pense qu'il aborde le match par le bon bout, Antoine, parce qu'il cherche à prendre l'initiative. Je pense qu'il a intérêt à prendre l'initiative sur ce gaucher, ne pas lui donner trop de temps, parce qu'il peut se retrouver avec des trajectoires de gaucher, des diagonales qui risquent de le déplacer. Je ne suis pas certain que ce soit son point fort de défendre et de se retrouver sur des rallyes. Donc, il a intérêt à rentrer dans le cours et à diriger le jeu. Je crois que c'est qu'il aurait de mieux à faire. Faute, vous voyez, on a vu là un peu le mal qu'il a eu à se déplacer, ouais, là. Donc, je pense qu'il faut qu'il prenne le jeu à son compte. Oh, elle est belle. Oui, allez, première race de la rencontre. Très belle zone. Court croisé fait beaucoup de mal. Hein. Là, c'est un schéma que l'on voit de plus en plus parce qu'au niveau, les joueurs l'utilisent beaucoup. Et je dirais que c'est le service du gaucher de l'autre côté. C'est ça. Qui ne s'utilisait pas il y a quelques années. Hein. On voit qu'une dizaine d'années, on le voyait beaucoup moins. Et maintenant, il est très utilisé par les droitiers. Oui, il les a bien construits. Il l'a fait exploser, ça fait 2-0. Je pense que c'est là que la solution, elle est là. De rentrer dans le terrain, de pousser cet Anglais dans ses retranchements, enfin qu'il explose, ou carrément faire le point. Mais je crois qu'il faut qu'il reste sur un jeu d'attaque et un jeu où il prenne l'initiative. Plutôt qu'un jeu où il est un peu plus attentiste. Ouh. 0-15. J'aurais bien demandé le Hawkeye. Je crois que lui aussi. On y viendra. Hein. Ouais. On y viendra. Vu l'évolution de ce tournoi qui est à la pointe dans tous les secteurs, je ne serais pas surpris qu'on ait Sauf le Hawkeye. Ça coûte cher, hein, Dominique. Ça coûte très très cher. Ils ont beaucoup d'argent. Non, je plaisante. Non, mais c'est vrai que ça coûte cher, oui. Mais c'est une belle évolution quand même. Est-ce qu'il faut habituer aussi ces petits jeunes à jouer avec le Hawkeye? Oui, tout à fait. C'est peut-être pas non plus une tout bonne à idée. Fait. On est dans la formation. Ouais. Respecter l'arbitre, la décision de l'arbitre. D'ailleurs, on peut voir le comportement de tous les jeunes qui ne contestent absolument pas. Et moi, j'avais été sidéré l'année dernière de voir tous ces jeunes aller serrer la main de tous les juges de ligne. Tout à fait. On l'avait vu. Ouais. Je ne sais plus quel joueur avait fait ça. Ouais. Il y avait un joueur qui avait fait ça, qui avait fait le tour. Peut-être bien Lilov, hein, d'ailleurs, oui, hein, le vainqueur. Je hein, pense que c'est peut-être Lilov qui a fait ça. Qui aujourd'hui est 388e mondial chez les juniors. Un ITF. Ouais. Et Gorokov, son adversaire malheureux en finale, est lui 65e. Oula. Ça, c'est un très beau résultat. Ouais, parce qu'à 15 ans, être dans les 65 à l'ITF, c'est vraiment un très beau résultat. Ça va lui permettre d'accéder pratiquement à tous les grands chelems. Mais bon, j'ai mieux que ça. J'ai mieux que ça, Dominique. J'ai Noskova, la finaliste. Elle est 8e aujourd'hui. Alors, chez les filles, c'est très courant. Hein. Chez les filles, on voit. Ouais, on l'a vu avec des filles qui sont passées par ici. 30-15. L'Open d'Australie, Potova, qu'on a vu jouer à l'Open d'Australie, là. Ouais. Ou Potatova, ou je ne sais plus le nom exact, je mélange un peu les. Enfin, ça termine en bas. Voilà, exactement. Comme toutes les joueuses de République tchèque. Et qui a fait un très bon résultat. Alors, je vais le retrouver. Oh.
45. Double faute de l'anglais là sur cette balle de 2. Jeu déjà très important parce que l'anglais ne peut pas se permettre de perdre une deuxième fois son service. Ouais, c'est sorti. Hein. Guibaudot mène 2 jeux 1. 2-1 en faveur du français. Est-ce que ça reste une bonne entame de match pour le tricolore? Dernier vainqueur français ici d'ailleurs chez les garçons, c'est Ryan Rouman. Voilà, j'ai retrouvé c'était le nom en 2014. J'ai retrouvé le nom de cette jeune fille qui s'appelait Potapova. Potapova. Et qui a battu notre française Pauline Parmentier au premier tour. Et qui après s'est inclinée contre Madison Keys 6-3-6-4. Et cette jeune fille était il y a 2 ans, 3 ans maximum sur les cours des petits as. Bah, victorieuse en 2015. Anastasia Potapova. Voilà. Vote 15-0. Et donc Ryan Rouman vainqueur en 2014 et Quentin Alice en 2010. Vote 15-1. Allez, il faut serrer le jeu. Là, il ne faut pas donner trop de points parce que l'anglais est là. Il est présent, c'est un beau jeu de gaucher. Voilà, il faut rentrer dans le cours. Voilà, ça c'est bien, ça jouait dans l'ouverture. Il faut absolument qu'il rentre dans le cours, qu'il dirige le jeu, notre petit français, qui ne laisse pas cet anglais s'organiser autour de son jeu de gaucher. On a remarqué la présence de nombreux observateurs et de nombreux agents de joueurs déjà ici à Tarbes. Hein. C'est bien ou c'est pas bien? Je sais pas, d'avis là-dessus. On me dit que c'est fréquent. C'est l'évolution. Voilà, disons-le comme ça. En même temps, ça fait partie du circuit professionnel, ça veut faire partie de la formation. Tous ces aspects-là. Tout à fait. 30 ans. La gestion émotionnelle sur le cours englobe tout ça. Le public, les médias, les agents, tout ce qui tourne gravite autour d'un joueur de tennis. Savoir s'exprimer après en match, etc. Ah, il rentre bien dans la balle. Hein, c'est dommage. C'était bien joué. Il explose là-dessus parce qu'il était bien rentré sur son revers. Hein, cette attaque longue de ligne. Mmh.
Il explose un peu. Et il fait ses fautes là en défense. Là, il se déplace moyennement. C'est pour ça qu'il faut qu'il aille vers l'avant, qu'il dirige le jeu. Parce que je ne suis pas sûr que s'il est à défendre les points comme ça et que l'Anglais le repousse un peu, ce ne soit pas en réelle difficulté. De deux, il a concédé son break. Le Britannique qui n'a pas tardé à se remettre dans le bain. Et sur le court numéro 2, notre petit Belge, enfin qui n'est pas petit du tout, est mené 4-3 par le Japonais Jones. Faute 0-15. Là, il se place moins bien, ça part un peu dans tous les sens. Techniquement, c'est en train de se dégrader un petit peu, là, surtout en coup droit où il a pété pas mal de fautes. Donc, il faut vite se reprendre. Ça sort ouais, encore ça. Une nouvelle faute de coup droit. Il s'organise mal là, il est un peu pris de vitesse, il est en retard. Deux balles de 3-2, ouais. ça va faire le troisième jeu d'affilée. Oui, il pour le 2-0, troisième donc jeu consécutif. C'est, hein, ouais. Attention, je vous ai dit, ce gaucher me paraît solide. Voilà. Ça, c'est une belle réaction. Il faut absolument prendre le jeu à son compte, quitte à faire quelques fautes. Hein, mais, peut-être prendre des risques, mais il faut vraiment qu'il avance et qu'il dirige le jeu. Il manque un peu encore de muscles et de tonicité, notre petit français, donc enfin petit qui est grand. Donc dans le jeu de défense, c'est pas toujours facile. Voilà, ça c'est bien. Très bien, parfait. Voilà, il faut avancer. Superbe. Il faut rentrer dans le cours. C'est beaucoup mieux. Dès qu'il rentre dans le cours, dès qu'il dirige le jeu, c'est beaucoup mieux. Et puis il a la bonne attitude hein, avec ce point serré. Dès que le point a été conclu, se retourner vers son entraîneur, le clan. Ouais, il est un. En difficulté là. Dès que l'Anglais rentre dans le coup et dirige le jeu, il est vraiment en réelle difficulté sur son jeu de défense. Là, le Britannique a pris cette balle au sommet du rebond, ça ne lui a laissé aucune chance. Il a un bon coup droit de gaucher là qu'il varie beaucoup, qu'il croise, qu'il joue décroisé. C'est le premier ace de Nestola. Tout à fait. Pour son troisième jeu consécutif. C'est-à-dire que cet Anglais a quand même gagné contre la tête de série numéro 1 hier 6-1-6-4 et qui avait gagné Bolton. Alors même s'il était un peu fatigué, le petit Belge, c'est quand même une référence sur le circuit européen puisqu'il est numéro 1. Hein. Et sur le cours numéro 1, donc... que moi j'appelais le cours numéro 2, mais il y a deux balles d'égalisation dans le premier set pour le Belge contre le Japonais Jones. Deux balles de 4 partout. Plus qu'une. Oui, il vient d'en sauver une. Et sur le cours numéro 2, il y a un match de
fille avec une Tchèque encore, Tomáškova, contre une Turque, Melissa Erkan. Et là, le score est de 3-2 pour la Turque, Melissa Erkan. Reprise. Allez, reprise du jeu. Il vient d'encaisser 3 jeux consécutifs, voilà. Antoine Guibaudot. Il n'y a pas de break. C'est pas le moment de perdre son service. Il faut se reprendre parce que effectivement 3 jeux d'affilée, c'est beaucoup. Ouh, le joli contre. Très beau contre. Ouais. Bien sorti de sa raquette. Voilà, la solution elle est là. Alors c'est toujours plus facile sur son service parce que peut s'organiser un peu mieux, mais il va falloir qu'il le fasse aussi sur le service de son adversaire avec dès le retour, pas se mettre en défense, mais on voit que là, dès qu'il peut rentrer dans la course, c'est beaucoup mieux. Voilà, il avait l'occasion, là, il a pu avoir l'occasion de rentrer dans le cours, il ne l'a pas saisi et c'est l'Anglais qui l'a repoussé avec une nouvelle faute de coup droit. Donc, c'est... Oui, c'était lui le patron au début de l'échange. Ouais, hein. Oui, et puis il s'est retrouvé encore en défense et là, il est très fragile, surtout côté coup droit. Elle a s'appuyé sur la balle, tout simplement. Il n'y a rien à dire. Très bon retour. Derrière, il rentre dans le court. Accélération de revers. Vraiment très, très bel échange. Allez, le pied qui était bien ancré dans le sol. Yeah. Il a de la puissance dans ce bras gauche. Hein. Oui. 32, aïe, 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 aïe. C'est la première double faute de ce match et elle est pour le Français. Et pas forcément au bon moment. Non, parce que ça offre une balle de 4 jeux à 2 pour Nestola avec cette possibilité cette fois-ci de prendre un break d'avance. Voilà. 40. Il y a du bon et du moins bon chez Antoine Guibaudot. Pour l'instant, ça ne lui porte pas préjudice. Un vrai jeu de gaucher, cet anglais. Oh, elle est belle. Ah, encore une fois, il rentre bien dans le terrain. Encore une fois, il s'appuie bien sur la balle. Il la prend au sommet du rebond. C'est là où il est vraiment le plus dangereux. Vraiment, ça, c'est très bien fait.
un petit Belge qui mène 5-4, qui était mené 4-2 et qui revient très bien dans ce match. Ah, ah, il l'a bien attiré. Ouais, il l'a très très bien attiré au filet. Oh, joli contre. Elle est largement dedans. Elle est largement dedans. 3 cm à l'intérieur du court. Non, elle est largement dedans. Ouais. Là, il n'y a pas de contestation possible. Égalité. Oh, c'est bien joué. C'est superbe. Très bien défendu. Très, très bien défendu. Et puis, qu'est-ce que c'est bien glissé, hein, ça. Ce petit slice là de revers. En fait, on appelle ça un passing dans les pieds. Oui. C'est très, très bien joué. Troisième balle de 4-2 hein, pour l'Estonien. Il a une très belle main, cet Anglais. Dans ses coups de défense comme ça, il est assez adroit. Égalité. Nouvelle balle de break sauvée. Ouais. Troisième. Ah, j'ai eu le réflexe du let encore, je suis. C'est une deuxième double faute hein, pour Guibaudo. Hein, et quatrième balle de break pour Pestola. Nestola, pardon. Égalité. Et qui à chaque fois donne le point tout de suite. Oui, il est beau ce passing. Ça s'est bien fait. En même temps, il a eu tout le temps de l'ajuster. Oui. Avantage, Guibaudo. Et il a choisi le passing croisé. Cinq partout sur le court à côté où le japonais John s'est revenu et a égalisé à 5 partout. Égalité. C'est le jeu de cette première manche. Si Nestola le gagne, ça peut faire mal à Antoine Guibaudo. Oui. Moralement. Oui, on le sent un peu nerveux en plus là. Et... Oh
pas loin de la double. Hein. Oula. Avantage, Guy Baudot. Il s'en sort bien. Oui, parce que là aussi... la décision était difficile sur cette balle. Guy Baudot. C'est très bien. Ouais. Très bien. Un jeu qui a duré très longtemps. Et c'est au forceps qu'il est allé chercher ce jeu. Hein. Et c'était important. 3 partout, 4 balles de break écartées. Sort. Faute 0-15. Puis il a aussi mis fin à 3 jeux consécutifs de Fabio Nestola. Oui. Faute 15-1. Ah, c'est des mauvaises fautes. Ça. Il n'y a pas de bonnes fautes, mais il y a des fautes, disons, provoquées. Celle-là, elle n'est pas provoquée, elle n'était pas en difficulté. C'est un moment important, c'est le milieu de set, comme ça. C'est ce qu'on appelait à l'époque le fameux septième jeu. Voilà, cher à Claude Dargé, que les jeunes ne connaissent absolument pas. Le septième jeu ou Claude Dargé ? Claude Dargé. Les deux. Alors, Claude Dargé, c'est sûr. C'est encore moins. Oh, c'est bien. Voilà, il fallait de l'avant là. Très parfait. Bien. Très bien, c'est là où il est le plus dangereux. 15-40. C'est quelle belle réaction en tout cas. Il a du caractère et il a du mental, Antoine Guy Baudot. Parfait. Parfait. Quelle agressivité sur ce retour de service. Et cette prise de risque sur son revers a accompagné son revers long ligne. 4-3 maintenant, break en sa faveur. Et dans 1 minute 30, il sera au service pour confirmer son break, mener 5-3. C'est bien, hein, il a mis fin à 3 jeux consécutifs. C'est très bien repris là. Il y a eu un sixième jeu très accroché où il sauve 4 balles de 4-2. Et bien c'est lui qui vire en tête à 4-3. Le jeu d'avant était important. Hein. Avec la tête. C'était très important ce jeu d'avant. C'est bien. Il l'a remporté, ça l'a vraiment reboosté. Allez, au service Antoine Guy Baudot pour confirmer son break maintenant. Faute
Faute 15-0. Ça commence bien. Oui. Pourvu que ça dure. Balle de premier set pour le Belge sur le court 1. 6-5, 40-30. Ou 30-40 sur le service du japonais. Faute 30-0. 30-0. C'est fait. 1-7 pour le Belge. 7 jeux à 5, une manche arrière. 30-15. Pas d'ajustement du tout sur ce couvre-là. Là, il veut se dégager, d'avancer dans la balle avec les jambes. Il est resté complètement statique, a joué uniquement avec le bras et la balle lui a échappé complètement. Ouais, double. Troisième double faute. Aïe. Juste derrière la ligne, un tout petit peu trop longue. Balle de 5-3. C'est des cadeaux, ça. Hein. Ouais. Ils sont des cadeaux mutuellement, là, un peu, sur ce jeu. Hein. Ça, c'est bien ça, servi. Hein. Ouais. Ouais. Avantage, Guy Baudot. À nouveau, balle de 5-3. Alors, lui qui nous a été présenté comme un joueur qui montait quand même régulièrement au filet, on n'a pas encore vu au filet, Antoine. Hein non. Non, non. Deuxième manche. Faute. Ah, c'est... Égalité. C'est dommage parce qu'il a très bien servi. Vraiment très très bien, et au lieu de rentrer derrière, d'anticiper un peu le retour pour jouer un peu plus tôt, il a attendu, du coup il se retrouve avec une balle à jouer un peu dans les pieds, et il a eu du mal à la relever. Avantage Nestola. Il y a deux doubles sur ce jeu. C'est un match assez décousu parce qu'on a des séries. C'est vrai. Il y a des séries, il y a eu 2-0, 3-2, là il était en passe de faire 3 jeux. Il menait et puis pouf, tout d'un coup des séries de fautes. Il y a des up and down de chaque côté. Oui. Voilà, c'est bien avancé derrière. Ça, c'est voilà. Une belle séquence, et c'est parfait. Après, derrière cette première balle de service qu'il fait, qui est bonne, il doit avancer derrière. Parce qu'il n'a pas fait le point précédent, enfin celui d'avant. Et... Il n'a pas 36 000 tactiques à adopter pour gagner. Hein. Il faut qu'il enchaîne et qu'il aille vers l'avant, qu'il prenne le jeu à son compte. Hein. Non. Ça, c'est un cadeau. Ouais. Oh allez, là, encore là, une là, fois, là, une balle de 5-3. Sur un point aussi important, la donnée comme ça, là. Ça, c'est la jeunesse, le propre de cet âge-là, de
la gestion des points en fonction des moments. Ça s'apprend, ça aussi. Bonne première. Ouais. Bon retour là. Ouais. Oh, c'est dommage. Enfin, il part à la faute tout seul. Il cherche. Par en arrière. Chose, hein. Ouais, par en arrière. Il est. Il est juste sur les talons. De s'appuyer sur sa jambe droite, j'en ai fait, et de pousser et de jouer droit devant lui, bah, il revient dans son replacement avant d'avoir fini son coup. Bien servi. Avantage, Gibodo. Il enchaîne sa première balle, il faut qu'il soit prêt à jouer derrière. C'est comme le sixième jeu hein, qui a été accroché. Bien servi encore. Voilà, Dechkal. Voilà, ça c'est très bien. Ah, il, ah, s'est, fait, il s'est fait clouer là. Voilà, mais c'était bien, c'était le jeu là. Service des croisés, il sort le joueur, il enchaîne derrière. Son attaque était un peu. Manquait un peu de force et de vitesse, mais c'est dommage. Maintenant, l'anglais, on le voit au ralenti, il a fait un très beau passing, hein. Même s'il était très loin du court. Hein. Ouais. Faute, avantage, Gibodo. Ça donne, hein. Oh là là, il y a quelqu'un. Oh là là. Ah. Pourquoi il fait pas un petit coup de remise en jeu comme vient de faire le Britannique Fabio Nestola. Bah, le même, un peu moins fort. Oui, c'est ça. Pour revenir dans le terrain et se repositionner dans l'échange. Force là, il force son coup droit, il se décale pas assez, il tourne mal autour de la balle là. Donc il joue qu'avec le bras et il contrôle pas. Et... Deuxième balle de 4 partout pour voilà. Nestola. Voilà, tout est à refaire. Dès que l'anglais arrive à le déplacer et le mettre en défense, tout de suite il est en difficulté. Alors sur le court numéro 2, donc, il y a un match de jeunes filles, donc on le disait avec la Turque Erkan et la Tchèque Tomáškova. Et le score s'est un peu inversé, ça fait 5-4 pour la Tchèque et avec un arrêt médical ou de matériel, parce que je vois qu'elle a un problème de chaussures. Voilà, et le match reprend. Et sur le court numéro 1, le Belge a pris un peu l'ascendant, il mène 7-5-1-0. Partout, tous les points comptent. Hein, tous les points sont importants. Et l'anglais commence par une double faute pour son service. Service
0-30. Ça fait du bien, deux points d'entrée. Ouais, c'est deux cadeaux. Hein. Ah oui, deux points gratuits. Installez-vous rapidement, s'il vous plaît, merci. Sans faire grand-chose. Voilà, 15, ça donne 30. Beaucoup là. C'est la séquence des cadeaux. Oui. C'est assez décousu ce match. Faute 15-40. 15-40. Deux balles pour reprendre un petit peu le contrôle de ce set. Et mener 5-4. Il s'écroule sur sa première, là, le Britannique. Petit coup à jouer sur la seconde balle de service. Ah, je lève encore. Ouais. Oh, c'est parfait, ça. Ouais, bien, c'est parfait, ce passing en deux temps. Mais qu'est-ce qu'il était bien tiré, Dominique, hein, le premier tout passing. Tout à fait. Et ça fait 5 jeux à 4. Ah, et troisième break en faveur d'Antoine Guibaudot, le cinquième au total dans cette première manche. Et dans 90 secondes, Antoine Guibaudot sera au service pour mener une manche à rien. C'est important. Important sur ces matchs-là. Chez ces jeunes, ça joue beaucoup. Hein, ça. J'ai repéré dans le public, Dominique, un coach de renom, un Boris Valéjo qui est là. Ah oui. Ouais, qui est là, qui est dans les tribunes pour superviser, voilà. Antoine Guibaudot, Boris Valéjo, qui était notamment avec Nicolas Mahut, au temps de ce fameux match à Wimbledon. C'était lui le coach de Nicolas Mahut pendant. Et apparemment, il a entraîné Cilic. Oui, non, mais il était le coach de Cilic. Ouais, non, mais il est le coach de. Il fut le coach de nombreux très grands joueurs, Boris Valéjo. Une grande science du tennis. Voilà, si vous regardez bien, il est sur votre gauche. Cinq jeux à quatre en faveur d'Antoine Guibaudot au service après 50 minutes de jeu pour mener une manche à rien. Ça, c'est très bien. Allez, allez, allez. Ah, c'était bien joué, c'est dommage. 0-15. Il s'est pas dégagé, il avait une volée facile. Ça manque aussi un peu de flexion au niveau des genoux. Hein. Ah, ouais, ouais, il restait un peu droit comme un piquet, manque d'ajustement. D'ajustement, ouais. C'est pas très dur, cette volée. Ce set dur, on en est déjà à 50 minutes. Ouais, ouais, hein. Oh là là là, c'est... Cinquième double faute. Aucune de l'autre côté. Hein. Ouais. Ça fait un jeu déjà offert à son adversaire, mine de rien. Aucune double faute chez l'anglais ? Aucune. Un ace chez l'anglais, un ace de chaque côté et 5 doubles fautes pour le français. Faute 0-40. Il a bien dirigé le jeu là, l'anglais, avec son coup gaucher là.
visiblement, il n'a pas retenu la leçon de son jeu de service précédent, hein, Antoine Guibaudeau. Mais 3 balles d'égalisation. Ouais. Première est sauvée. Ça manque, ça manque de sécurité, hein. Quand même. Hein. Une volée un peu flottante. Là. J'ai une peur qu'elle lui échappe. Là. Il faut plus les appuyer, ces volées. Hein. Il a voulu la poser tranquillement. Mais... Ah non, mais là, il faut être un peu plus patron dans son jeu. Hein. C'était juste. Hein. C'était pas forcément le bon choix. Hein. Pas loin de la double. Hein. Ouh là, en ce moment, c'est. Allez. Oh, aïe, aïe, je reste là. 5 partout, tout est à refaire. Again, encore une fois. Voilà, il faut y aller. C'est très bien. Je ne comprends pas qu'il ne sente pas 15. Plus, il n'y va pas assez. Il faut, aller vers l'avant systématiquement. Il faut... Le jeu, il est là. Là. Oh, voilà. Elle est belle celle-ci. Qu'est-ce qu'il s'est bien appuyé là-dessus. L'engagement, le transfert du poids du corps. Le jeu vers l'avant, 0-30. La volée réflexe. Ah oui. Bon, derrière, il se fait avoir, mais déjà, il avait été chanceux de pouvoir remettre cette balle. Hein. 15-30. Oui. Enfin, en même temps, l'anglais avait été un peu chanceux avec la bande. C'est vrai. Double chance. C'est bien retourné. 15-40 et 2 balles de 6-5 à nouveau. Oh.
Guibaudot. Eh bien voilà, troisième break d'affilée pour Guibaudot. Guibaudot mène 6 jeux à 5. Allez, les deux acteurs de ce quart de finale, une simple messieurs qui sont rappelés sur le court. Et le public qui a pris évidemment en fait les causes pour Antoine. Petit service une nouvelle fois pour le gain de cette première manche. Le public a senti que c'était le moment, de toute façon. Ouais. Il y a du monde, hein, ouais, pour un vendredi midi. Voilà, une bonne première. Tout passe par la première balle de service. Bonne première. 30-0, c'est parfait. C'est lui le patron. Allez. Troisième première. Ah, mais cette fois-ci, il explose à la frappe. 30-15. Ça sort, 40-15. Ah voilà, les deux premières balles de 7. Ça fait du bien, ça. 40-15. Et s'il pouvait encore une fois s'appuyer sur une belle première. Déjà une petite expérience, un peu d'expérience. Il prend son temps, il va chercher sa serviette. Ouais, il prend son temps avant de servir cette première. C'est bien, il ne se précipite pas. Très belle encore première. Encore une belle première. Ouais, c'est bien la petite musique en plus, vous l'entendez là. L'engagement. Première manche. Une heure pile poil de jeu. 7 jeux à 5, une manche à rien en faveur d'Antoine Guibaudot. 7 jeux à 5.
Reprise. Allez, c'est reparti pour cette deuxième manche donc avec le Britannique qui avait quitté le terrain pour aller faire un petit tour du côté des toilettes. Bon, histoire aussi de casser un petit peu le rythme du côté d'Antoine Guibaudot. Sur le court numéro 1, le Belge a pris un peu le dessus puisqu'il mène 4-2 dans le deuxième après avoir gagné le premier. Donc tout se passe bien pour nos amis belges. Ouais, ce sera pour jouer Petr qui s'est imposé tout à l'heure face à l'Allemand Israelan 6-4-7-5. Enfin, du Tchèque Petr donc, tête de série numéro 13. Voilà cette montée au filet qui met la pression sur Nestola. 15 à. Je pense que le gain de 7 devrait lui donner une grande confiance et ouais, faut le souhaiter. Hein. Et lui donner un peu la confiance nécessaire pour aller encore plus vers l'avant et remporter ce match. 30-15. En tout cas, sur ce que je peux voir là, des différents cours. Le tableau est très ouvert. Hein. Quand on regarde l'ensemble des joueurs, on ne voit pas un joueur qui. C'est très homogène, très bon niveau de jeu. Et c'est-à-dire qu'il y a un joueur qui domine de la tête et des épaules sur les joueurs qu'on a pu voir depuis ce matin sur les différents cours. Belle première là de Nestola. Donc il y a une place pour aller chercher une victoire cette année pour un Français dans les petits as. Et il faut commencer par remporter ce set, ce deuxième set. Bien, parfait ça. Il commence à la trouver cette zone. Et celle-ci aussi, hein, il l'a bien trouvé. Bon retour, très long. Avantage, Nestola. Jeu Nestola, premier jeu, deuxième manche. Dommage, il y avait un petit coup à jouer là pour Antoine. Oui. Largement. Zéro pour le Britannique. Thank you.
Parfait. Il retrouve de l'efficacité en première. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Il sert très bien ses premières. 15-0. Mais... quelque chose qui perturbe Fabio Nestola. Je ne sais pas si c'est lui-même. Ouais, il se plaignait quelqu'un dans le public. Ouais. Ouais, c'est bien joué ça. Bel échange ça. Ouais. Joli contre. Ouais. 15 à. Ah, il y a eu de l'intensité. Il est plus percutant. Hein, il avait arrêté. Il avait été très bien pendant un moment dans le premier set. Et puis, il s'est arrêté d'être percutant. Il a fait des balles qui étaient très arrondies, qui manquaient de vitesse et de consistance. Et là, il recommence à retrouver un peu d'agressivité dans ses frappes. Et je crois que c'est là où il est le meilleur. En tout cas, c'est là où il va gêner le plus notre petit Français. Faute 30-15. Ah, 40-30. On en est à 6 doubles fautes. Hein. C'est beaucoup, hein. Ouais. T'as fait un jeu et demi. Hein. C'est beaucoup. Les deux pieds cloués dans le plancher. Il ne faudrait pas laisser passer les occasions. Hein. Attention. Oui. Yeah. Oh, elle est belle. Elle est sur la ligne. Encore une fois, une frappe à plat. Hein. Avantage, Guibaudot. C'est bien suivi ça. Oh là 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 là. C'est dommage, c'était bien suivi. Il a mal négocié, il n'était pas dans le bon timing là. Il a mal jugé la trajectoire de cette balle et il s'est retrouvé un peu pris avec cette volée haute de revers. Elle est compliquée hein, à jouer. Oui, mais dans le timing, il n'était pas bien. Et puis voilà, victoire sur le court 1 du Belge, Bailly, qui se retrouve en demi-finale. 7-5-6-3. 7-5-6-3 contre le japonais Jones. Il se retrouvera en demi demain. Bravo à nos amis belges.
Oh, c'est beau. C'est bien joué, ça. Avantage, Guibaudo. Oh, le joli contre. Ouais, c'est dehors. Égalité. Quel joli petit contre. Avantage. Superbe. Ah, c'est bien. Égalité. Alors, c'est un vrai pénalty aussi hein, pour le Britannique. Oui, tout à fait. Les jeux sont accrochés, hein, mine de rien. Tous, hein. Faute, avantage, Guibaudo. Allez, ce coup-ci, il faut la faire là. Il faut vraiment revenir à un partout. Je, Guibaudo. Il vous a entendu, Dominique. Un jeu partout. Avec un bon décalage coup droit. Un jeu partout. Bien négocié, bien décalé. Bons appuis. Un partout. Allez, c'est le moment d'aller chercher le break. Allez, il faut rentrer dans le terrain. Allez, lui mettre un petit peu de pression. Le pousser à faire une seconde balle un peu neutre. Très bien. Bien retourné, hein. Très bon retour, voilà. Voilà. Ah, mais très bien. 0-15. Voilà. Il les sent bien maintenant, ces petits décalages coup droit. Hein. Voilà, il faut que c'est peut-être la base de son jeu, là, de jouer des retours longs, puissants, et puis derrière, de s'organiser autour de ce coup droit et prendre l'initiative du jeu. Alors on va commencer à côté notre dernier quart de finale fille avec Kostoulas contre la canadienne Brace. Alors Kostoulas, on pourrait penser c'est une Belge, hein. On pourrait penser qu'elle est grecque. Et même non, elle est belge. Voilà. Ah, il faut suivre, hein. Ah oui, mais bon, Dominique, c'est désormais l'Europe. C'est la mondialisation. Là, c'est l'Europe. Ouais, c'est l'Europe. Faute 30-15.
dommage. 40-15. Ça, il fallait descendre un peu plus sur les jambes et accompagner un peu vers l'avant. Il s'est relevé trop tôt, il était un peu raide. Donc, le contrôle est difficile, il faut que la tête raquette remonte très vite. Il va avoir des chances de garder la balle en cours, et ce qui n'était pas le cas. Jeu Nestola. Ouais. Ouais, un Nestola jeu Romain Meulet hein, par Fabio Nestola. 2-1. Reprise. Allez au service pour recoller à deux partout. Conserver cette efficacité hein, en première balle de service. C'est bien joué, c'est le jeu. C'est le jeu, c'est pas grave de faire ce genre de faute. Il fallait y aller. Hein. L'endroit était bon, il fallait prendre un peu plus de marge, en tout cas par rapport aux lignes. Elle lui échappe encore une fois, c'est dommage, le seul coup précédent, il y a de l'intensité dans la frappe de balle. Et le coup suivant, il part à la faute. Eh bien, c'est bien joué. C'est parfait, c'est magnifiquement glissé. 15-30. Belle seconde. Ah, il faut descendre sur les jambes. 15-40. Manque encore de puissance un peu sur les jambes pour être capable de descendre et relever cette balle. Il n'aura pas été très efficace à hein, chaque fois qu'il est monté au filet. Ouais, c'était bien joué. Bien joué. Maintenant, ça demande. C'est, une volée, ça ne joue pas qu'avec la raquette. Hein, ça joue aussi avec les jambes. Il faut l'accompagner. Il faut descendre bien bas. On le voit chez les grands joueurs, comme ils descendent. Un joueur comme Nadal est impressionnant par rapport à ça quand il est à la volée. Hein.
Bien joué. Ouais, c'est parfait. Parce que c'était quand même une balle de break à écarter. Hein. Fabio. Bien service. Hein. Allez, jump. Bien joué. Allez, on y retourne. Pardon. Ah, c'est bien joué. Ouh, il s'en sort bien. Ah, c'est bien joué. Là. Mince, j'avais il m'avait semblé entendre faute. Nestola mène 3 jeux à 1. Non, non, non. Elle est bien touchée. Hein. Le break hein, réalisé par Nestola. Service britannique pour confirmer son break. 15-0. Mauvais passage là pour notre petit Frenchie. Hein. Il va falloir se reprendre parce que les jeux défilent, l'anglais va confiance et. Ouais. Deux balles pour confirmer le break. C'est bien sorti de sa raquette, ça. Ouais. Je Nestola. C'est très, très bien sorti de la raquette des Britanniques. 4 jeux à 1. Qui confirme son break. 4 jeux à 1. Il a tôt passé le cap de l'heure et demie de jeu. Ce second set va beaucoup plus vite. Hein. Oui, mais c'est un match beaucoup plus long que celui de Djokovic face à Lucas Pouille. Oui. Bah, déjà, 1h28. Je crois que c'est la durée du match de Lucas, enfin, dans ces eaux-là. 1h22, je crois. Oui. Ça ne fait pas beaucoup hein, pour 3-7. Hein. Pour 3-7, en demi-finale d'un grand chelem. On a connu un demi-finale plus accroché. L'arbitre de cette rencontre qui est en discussion avec le Britannique.
Reprise. Il faut le gagner, ce service est impératif. Sinon, le 7 risque de... Oh là ! Faute. Mais il a 0, du mal 15. À descendre sur les balles, ouais. Sur les jambes. En fait, il fait pas trop d'efforts. Hein. Ou même... Je sais pas s'il fait pas d'efforts ou si simplement il n'a pas les capacités physiques à descendre. Il est grand, il manque un peu de tonicité sur le bas. Après, Dominique, ça vous a pas échappé, mais il a quand même deux genouillères. Hein. Oui. Voilà, ça c'est... 15 ans. Effectivement, oui. Ben, il a peut-être des os-bouts, des problèmes de croissance. C'est aussi si, ouais. Souvent, hein, à cet âge-là. En tout cas, même si il vient à perdre ce deuxième set, il faut qu'il se remette dans le sens du... dans le sens du jeu, ouais, se remettre dans une bonne dynamique, voilà, comme ça. 30-15. Faute, 40-15. Allez. Il se décale pas assez vite là, il se décale pas assez vite et il va tourner autour de la balle et en même temps avancer. Il ne traverse pas la balle. Faute jeu Thibodeau. Ça c'est la mettre 4. Ça fait du bien. Allez, c'est ce jeu. C'est par ce jeu que la remontada va débuter. Oh. Oh là là. 15-0. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Faute 30-0. Ah, c'était bien joué, ces deux petits coups là, l'un en slice touché et puis cette accélération de coup droit, et changement de rythme qui a vraiment enchaîné Antoine et provoqué la faute. Thank you.
Oh, c'est bien. Qu'est-ce que c'est bien fait. Oh, oui. Il s'est arraché là-dessus. Ah oui, oui. J'ai cru qu'il ne l'avait pas. Et... 30-15. Ça, c'est un signe. Il a montré à son adversaire qu'il était là. Hein. Elle sort, voilà. Celle-ci. Elle lui échappe. 30A. Allez. 30A. Je vous disais, Dominique, c'est par ce jeu que débute la remontada. Il n'y a pas le choix. Hein. C'est celui-là. Hein. Parce qu'à 5-2, ça va être difficile de revenir. Non, mais même s'il ne revient pas et qu'il concède le 7, en tout cas, il se sera mis dans la bonne direction et sur les rails. Faute. Non, 40, il a forcé 30. Là-dessus. Pas trop forcé non plus. Hein. La difficulté aussi, hein, c'est trouver le juste équilibre, le bon dosage, la bonne finesse. Ouais, c'est parfait. Et il s'est bien appuyé. Il l'a prise au sommet du rebond. Elle était très très haute, hein, cette balle. Oh, c'est beau. C'est beau parce que c'est dur, il est loin. Hein. Pas facile à faire ce coup. Hein. Dominique. Balle de Debrec. Hein. Ben oui. Oui, oui. Allez, deuxième balle de service. Ça se prend tout ça. Belle seconde là, hein, assez longue. Elle est parfaite. Dans la lucarne. Complètement. Vous qui êtes aussi un amateur de football, Dominique. Dans la lucarne, il a enlevé les toiles d'araignée. Et il recolle à 3 jeux à 4. Je vous le disais. Alors le soigneur, c'est pour qui? Allez, ça se dirige vers Antoine Guibaudot. Ah. Ah mince. Ah voyons. Le genou. Alors qu'on revoit au ralenti ce joli petit coup de toucher de la part du Britannique. Mais alors, quelle belle course en avant dans la diagonale du Français. Ouais. C'est applaudi à sa juste valeur. Et là, il a les deux pieds décollés du sol. Magnifique ce ralenti. L'agressivité. Et ça, c'est le point pour aller chercher le Debrec, revenir à 3 jeux à 4. Alors, ça semble être au niveau de la jambe gauche. Oui. Et je vous dirais, moi, du... Du genou non. Genou, non, c'est plus... Non. Le mollet gauche. Le bénéficie ouais. D'une interruption de jeu pour traitement médical. 3 minutes d'interruption, donc. Un medical time-out. 3 minutes pour requinquer Antoine Guibaudot. On parlait, hein, la semaine dernière, elle a été longue et compliquée pour Antoine Guibaudot du côté de l'Angleterre. Après, il a fallu faire le voyage, venir ici à Tarbes. Et puis 3 matchs dans les jambes.
face à Hugo Coquelin. Le Britannique, 6-4-2-6-6-1. Face au Russe, Demine ensuite, 6-4-6-3. Et derrière, face au Mexicain, Pacheco Mendes, 7-6-6-4. Aucun match simple hein, quand même pour Antoine Guibaudot depuis le début. Non. Plus les doubles. Plus les doubles parce qu'il y a quand même 3 matchs en double aussi. Hein. Donc on en est quand même à 6 matchs depuis le début de la semaine. Donc inévitablement, la fatigue commence à se faire sentir. Reprise. Allez, reprise du jeu. Au service, le Français pour revenir à 4 partout. Je vous rappelle que juste derrière ce quart de finale du simple garçon, entre Fabio Nestola et Antoine Guibaudot, eh bien, on pourra assister à la finale du double jeune fille entre la paire Cross-Huy et les sœurs Fruy-Virtsova. Ah, 0-15. C'est dur ça, c'est surtout hein, avec un mauvais placement, prise de risque importante là. Bien servi. Super. 15-40. Il explose sur la dernière frappe. Il est gêné sur ses balles basses là. Il est au service, hein, le Britannique, pour remettre les compteurs à zéro, égaliser un set partout.
Cote 30-0. C'est vraiment pas le moment de donner des points comme ça, vraiment. De 15. Première double faute. Oh là, cadeau. 30. Ouais. Oh là là, quel cadeau. Ouais, parfait, 30-40, allez, Golval, pour recoller à 4 jeux à 5. Il ne veut pas le gagner ce set, hein, le petit anglais là, hein, parce que alors là, vraiment, il a tout fait pour remettre notre petit français dans le coup là. Parce qu'il en avait pris un petit coup derrière la, oui, la cafetière. Hein. Complètement. Jeu. Dans la totale, là. Alors, deux doubles fautes. Il n'en avait pas fait une depuis 1h45 et deux doubles fautes pour ainsi dire coup sur coup Nestola pour Fabio Nestola. Et il relance complètement Antoine Guibaudot dans cette rencontre, enfin, en tout du moins dans ce deuxième set. Et c'est le 11e break. Un festival de break, hein, pour l'instant. C'est le moment. C'est le moment de passer des bonnes premières, de ne pas flancher et de ne pas faire la même erreur que sur sa mise en jeu précédente. Avoir fait l'effort de reprendre son service de retard. Ah, 0-15. Là. On en est à 7, hein, les doubles fautes pour le français. Pas où se placer. Ah oui, oui. Il savait pas quoi en faire de cette balle. Oh.
15-15-30. Parfait. Elle lui a bien échappé celle-ci. Ah oui. 30 à 30, 30 tout ça. Bon, elle n'est pas restée coincée. Non, c'est une autre balle. C'est une autre balle. Hein. Ouais. Enfin, il y en a même plusieurs. Il y a deux balles qui sont, pour ainsi dire, côte à côte coincées dans les tubes de ferraille de ce plafond du Palais des Sports. Le 7-40. C'est une balle de break et une balle de 7. Il permettrait éventuellement aux Britanniques d'entamer le troisième set sur sa mise en jeu. Faute. C'est bien parce qu'il n'a pas joué au petit bras là-dessus, le Français. Il y a eu de l'engagement. Égalité, première balle de 7 écartée. Yes, ouais, balle de 5 partout maintenant. Compte qu'il a encore un double à jouer derrière Antoine. Tout à fait. Avec Clément Kubiak. Avec l'accumulation de tous les matchs, ça peut faire beaucoup. Hein. Ouais. Parfait. Et voilà, il recolle à 5 partout. Bien, c'est au mental. 5-5 après avoir écarté cette balle 7. C'est ce que je parle le service là, qu'il puisse terminer en 2-7 quand même. Hein. Ça. Et à côté, 3-1 pour la Belge. Kostoulas contre la Canadienne Bryce. Et sur l'autre court là-bas, c'est un match qui dure aussi. C'est la Turque qui a perdu le premier 7-7-5 contre la Tchèque. Et elle mène 5-4 dans le deuxième set. Mmh, le premier point à la relance, c'est bien. Avec peut-être un petit peu de pression là, du côté de Nestola, qui est en train de se dire, là, si je perds ma mise en jeu, je suis déjà mené 1-7-0. Ah oui, oui. Ça peut être compliqué. Et à cet âge-là, ça peut cogiter. Hein. Parfait. Belle attaque. Ouais, et un beau transfert du poids du corps. Il faut faire jouer là, il faut pas donner des points comme ça à ce moment-là du match. C'est une trop grosse prise de risque. Là, là, là. Surtout que là, il n'est pas bien placé, il faut remettre et puis faire jouer son adversaire. Il n'est pas en position de faire le point. Donc.
bien. Allez. C'est facile. Voilà. Allez, 30 ans. Qu'est-ce qu'il le fait bien à ce point hein. Oui. Oui, parce qu'il s'est presque décalé plus pour faire le revers que le coup droit. Mmh. Il était au milieu, il avait le choix, il aurait pu se décaler bien un sûr, coup droit. Et... Il a fait un peu à la Benoît Paire. Hein. Ah. Qui dispute le Challenger de Rennes cette semaine, Benoît. Jeu, oui, Nestola. Oui, l'amortie gagnante. 6-5 en faveur du Britannique. Et qui jouera ce soir face à l'Allemand Yannick Madden pour une place en demi-finale, Benoît Paire. Yannick Madden. Reprise. Allez chercher un tie-break pour Antoine Guibaudot. Ouais, oh, super. Ouais. 15-30. C'était important ce point pour le Français. Trenta. Allez, balle de 7 ou balle de tie-break ? Et c'est 40, un ace. 30. C'est son deuxième ace. Ce sera une balle de tie-break. Au bon moment. C'est vrai. Et c'est vrai que
elle me semblait un tout petit peu dans le couloir, celle-ci. Parce qu'on est plutôt bien placé par rapport au couloir. Mais ça se prend. Voilà, 6 partout. Tie break de Michaela dans un tie break. Tout peut se passer. Je vous l'apprends rien. Hein. Tout peut se passer. 6 partout, jeu décisif. Enfin, c'est bien qu'il soit revenu comme ça. Il était mené 4-1. Hein. Ouais, ouais, ouais. Il sauve une balle de 7. Il a toujours été derrière dans ce set. Hein. Donc, c'est vrai. Et il peut peut-être pour la première fois passer devant s'il remporte ce premier point. Ce qui serait aussi un mini break. Hein. Aïe, aïe, aïe. 1-0. Ah. Ouais, de la réussite pour Nestola. Oui. La Belge Kostoulas, c'est une promenade de santé là pour le moment. 6-1. 6-1. Contre cette Canadienne qui avait fait un parcours tout à fait honorable à Bolton, puisque je crois qu'elle était en demi-finale. Non, elle était en finale à Bolton. Donc c'est vraiment une belle performance pour le moment de. L'erreur de jugement. Là. Ouais, il s'en sort bien parce que là, il ne savait plus du tout où il habitait le Britannique. Il avait une volée qui était facile. Ouais. Un partout. En fait, c'est, je crois qu'il l'a cru dehors. Oui, ah ben complètement. Il l'a complètement vu dehors. Complètement. Mais elle était facile à jouer. Il ne fallait pas prendre tout le risque. Il avait tout le cours qui s'ouvrait sur son côté gauche, cette volée haute là, c'est vraiment. C'est dehors. 2-1. Guy Bedeau. Et c'est la première fois dans ce set, Dominique, qu'il est devant. Allez, c'est là. Oh non, c'est pas vrai. Deux partout. Qu'est-ce qu'il va chercher Londin? Pourquoi il joue pas croisé? En tout cas, Londin croisé qu'il la mette dans le court. Ouais. Déjà, parce que même là, si c'est pas forcément le bon choix, il faudra tirer le passing derrière. Hein. Donc, qu'il la mette dedans. Quelle belle occasion de mener 3-1, faire un mini break. Ça sort, ça sort. Voilà le mini break. 3-2 en faveur de Guy Bedeau. Guy Bedeau. Parfait. Belle première balle. Allez, il faut qu'il aille chercher l'énergie du côté des tribunes, Antoine. Il est bien là, il est bien. Ouais. 4-2. Mine de rien, il est à 3 points du match. Hein. Tout à fait. Tout à fait. La pression est plus sur son adversaire. Bien hein. sûr, ouais. Parce qu'il n'a plus de choix. Hein, l'adversaire. Il doit se le dire en plus, Fabio Nestola. J'ai une balle de 7. J'ai une balle de 7. J'ai mis 4-1. Il s'est fait soigner.
J'ai mené 4-1. Hein. Ah, il a cherché l'ace. Là. Oh, ça, très bien. Ça reste Guibaudot. Du mauvais côté pour Nestola. 5 points à 2. Ces deux services, il les a gagnés. 5-2. Allez, juste un petit point à aller chercher sur la mise en jeu de Nestola pour se donner un petit peu d'air. Force là-dessus, Nestola. Non. 3, bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Il n'y a aucune raison de jouer sur là. Faute. Oh là. Gentil. Double. Oh là là. Une double, et troisième double faute. Et 3 balles de match. Et 3 balles de match, effectivement, pour Antoine Guibaudot. C'est du bien celle-là. Hein. Deux sur son service quand même. En plus, hein, ouais. Et si il ne parvient pas à les gagner sur ces deux services, il en restera encore une sur la mise en jeu de Nestola. Première est sauvée, 6-4. Guibaudot. Oh, elle est belle, superbe. Ah, il l'a bien fixé côté coup droit et derrière l'accélération sur le revers de Fabio Nestola, long de ligne, victoire en deux manches, 7-5, 7-6 d'Antoine Guibaudot après un combat qui aura duré 2h08 et une balle de 7 écartée dans la deuxième manche. Le voilà en demi-finale, Antoine Guibaudot, et quelle belle partie. Et tout est encore possible.